fait quoi cette toxico près de Jean-Paul? Hé, tire-toi de là. On n'a pas fumé ici, ok? Ça va, Jean-Paul? Toujours le fidèle à lui-même, hein, pas, ouais, pas le moindre mot. Ouais, pas très causant, ouais. Oh bon, putain, faut que je vous montre un truc. Ça va, Sophie. Passe une bonne journée. Faut que je vous montre un truc, ne bougez pas. Ah, t'as pimpé ton véhicule encore. Hé, hey, t'as vu un peu le mastodonte? Attends, avant. Ah, recule là un peu, recule un peu cette voiture. Ok. Vas-y, recule là, je vais te montrer un mastodonte. Ok. Putain, on a les mêmes jantes. Ça, ouais, c'est un mastodonte. Ouais, des souffles pour radio, bonsoir. Putain, elle est superbe. Bonsoir, messieurs, je viens d'arriver en ville. J'aurai la même un jour. Salut les gars. Ça va et toi? Ouais, ça va. Vous savez qui je viens de croiser? Eh bah, tu vas nous le dire. Eh ben, c'est Rosso, c'est putain de schlag de Rosso. Quoi? T'es sérieux? Il est où, ce cognon? Il est vivant, celui-là? Ouais, il est dans une limousine rose pour le moment. De quoi? Quoi? Ouais, ouais, on a parlé au commandant et du coup, il était là avec moi et je l'ai récupéré en taxi et du coup, voilà. Ok. Et vous êtes où, là? Moi, je tourne en ville, tranquillou. Ça, sachez que la police, elle est très sur les nerfs, ce soir. Ah, pourquoi? Il s'est passé quoi? Ouais, j'ai parlé un petit peu au commandant et il y en a qui font les schlags devant les commissariats. Du coup, ils ont sorti toutes les voitures, toutes les motos. Ils font les schlags, c'est-à-dire quoi, schlag? Un schlag, les schlags, c'est de faire n'importe quoi avec les motos. Rose. Bah, attends. C'est sûrement Rosso dedans. Mais qu'est-ce qui... On veut expliquer. Ils font les schlags, ils font les foufous, ils font des trucs comme ça, quoi. D'accord, ça se dit schlag? Ouais, c'est des schlags. Ouais, les schlags. D'accord, ok, je comprends bien. Je coupe radio, je suis avec Monsieur Rosso, conducteur de limousine rose. Putain, vous êtes où? Ok, j'arrive. Discatola. Bonjour, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Waouh. Eh, hey, pourquoi tu fonces dans la voiture là? Mettez-vous sur le trottoir s'il vous plaît. Pour attends, monsieur, on va vous s'il vous plaît. Oh, ouais, c'est sur le trottoir. Ah, réparez mon véhicule. Suivez-moi sur le côté. Mon putain de véhicule. Allez sur le trottoir, on discutera après. Ils ont niqué mon véhicule, putain. Et pour la bouche d'incendie, j'avais juste je l'avais payé. Voilà, vous avez niqué la bouche d'incendie. On est oui, bah on a niqué mon véhicule. Oui, oui, mais c'est un véhicule d'État qui a niqué votre véhicule que vous avec lequel vous avez niqué un équipement d'État. Donc on a. Vous avez vu la canicule ou quoi, putain? Mais pensez aux enfants. C'est vrai. Calmez-vous. C'est moi qui l'ai percuté votre véhicule. Putain, vous êtes commandant et vous percutez mon véhicule. Et alors? Et alors? Mais oui, mais alors? Bonsoir. Vous l'avez abîmé, bordel. Mais oui, on va en discuter. Calmez-vous. Vous, y a pas besoin d'assister, y a pas besoin de laisser le pont. Je me sens c'est normal. On cherche une voiture noire sportive qui fait la merde devant le commissariat depuis tout à l'heure. D'accord. Et là vous êtes passé, voiture noire, c'est pas votre voiture, j'allais vous dire. Quoi qu'il arrive, j'allais dire c'est pas votre voiture qui est recherchée. C'est une voiture 3 portes, d'accord? D'accord. Je suis d'accord que je vous ai éraflé. Éraflé, putain, mais vous savez combien ça coûte une voiture comme ça? Mais vous savez combien ça coûte une bouche à incendie? Et là, le coup, on a perdu. Non, 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 c'est pour le bien de cette précieuse. Monsieur, vous allez vraiment m'en vouloir de penser à cette ville? Regardez la personne qui arrive en surpoids. Regardez la personne qui arrive en surpoids. Vous voyez pas qu'elle a chaud? Elle a chaud, monsieur, cette personne. Il les a mangés, les bouches à incendie. Mais laissez-le chaud, monsieur. Il a essuyé sa sueur, monsieur. Il avait besoin de cette bouche à incendie. Mais c'est un gros porc, c'est pas de ça. Mais oh, parce que je peux me battre pour moins que ça. Ah ok, pardon. Attention, hein. J'ai peut-être sauvé une vie ce soir, monsieur. Vous avez vu votre pare-choc? Venez voir. Regardez. Ouais, mais c'est dangereux quand même. Vous avez vu votre pare-choc? Ouais, mais une vie n'a pas de prix. Franchement, non. Et franchement, moi je trouve que la voiture fait un peu plus strict. Putain, un peu cher, bonne mère. Ça va me coûter cher, monsieur. Non, ça va, c'est raflé, Allez chercher un stylet. Comment ça, passer un coup de stylet dessus. Attendez, regardez. Je vais frotter avec mon doigt. Attends, il s'est pas arrêté par les flics. Arrête, tu agaves le corps. Mais comment ça, vous pensiez bien faire, bordel? Mais c'est pas possible, vous êtes empoté ici. Bon, monsieur, venez avec moi, contrôle d'identité, pas permis de conduire, s'il vous plaît. Oh putain. Allez, venez par ici. Allez, venez par ici. C'est trop tard. Allez, je vous laisse vous en occuper, moi. Attendez, le commandant, attendez. Mais quoi? Attendez, va falloir rembourser ça. Mais je viens de vous glisser 200$ dans votre poche. Ah non, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ça vient de ma poche. Ne vous inquiétez pas, allez, venez. Voilà. Voilà, ah, c'est dans ta poche? T'es sûr? Non, c'est bon. Non, j'ai rien au sous, je t'assure. C'est pas grave, commandant, moi je m'en occuperai, je vais le rembourser. Allez, venez, on y va, c'est parti. Il y a trop de sudistes ici, c'est quoi ces conneries? Enchanté, Jackie Serrani, enchanté, Ryan Serrani. Deuxième prénom, Michel. Ok, voilà. Bonjour. On est les frères Serrani. Commande, carte d'identité, permis de conduire, tout le tralala. Ah putain. Va falloir me donner l'argent, messieurs, quand même. Y'a pas de souci. Monsieur Johnson McGillaghan, d'accord. Johnson McGillaghan. D'accord. Permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur.
Et c'est toujours le même, ça change pas, c'est la même photo. Hein. Alors, Johnson, d'accord, très bien, ok, la même chose. Bon, monsieur, pourquoi vous. Est-ce que vous rouliez sur le trottoir? Vous étiez un peu pressé peut-être? Non, non, je roulais pas, écoutez. D'accord. Oui. J'étais là-bas, avenue de là-bas. Ouais, j'ai mené du commissariat. Petit virage un peu étroit, il fait tellement chaud que je commençais à caner à moitié dans la voiture. J'avais allumé la clim, mais le temps que la clim ait fait son boulot, bon bah vous vous doutez bien que j'avais des sueurs. C'était terrible, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'était du cul quoi. Voilà, exactement. J'ai tellement serré les fesses d'ailleurs que je marquais le cuir. Bref, j'ai foncé dans la bouche à incendie par mes gardes. Bon, je ne cache pas que ça fait plaisir aux gamins du quartier. Évidemment, ils étaient sous l'eau et tout, on s'est tous amusés. Et bah du coup, j'ai foncé dans la bouche à incendie, donc rien de grave, ça a quand même fait plaisir aux gamins du quartier. Bien sûr. Et après, bah, vous m'avez arrêté et après le commandant m'a foncé dedans. Voilà. D'accord. Et vous avez bien vu que vous nous avez foncé de dingue aussi. Regardez sur le côté. Ah ben si. Regardez les vitres. Les vitres, vous foutez de ma gueule là. Vous jouez à quoi vous? Eh, vos vitres, elles étaient déjà mortes. Déjà avant de baisser de dingue. Eh, mais tu vas commencer à baiser un ton. Tu vas commencer à baiser un ton. Commencez pas. Tu vas le baiser, ton mon pote. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, les Starkiers. Plus t'as me fait ça un ton. Ouais. Eh, bon, rentre pas de travail. Sinon, outrage agent. Non, ça. Oh, ça va, il a juste dit baiser. Non, y'a pas de. Non, y'a pas. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez, bougez pas. Outrage agent, vous me dites. Non. Ah non mais non, il appelle son avocat je crois. T'es 37, ferme ta gueule un peu. J'avoue, il a juste dit viens, on va rigoler. J'arrive. Vous appelez des renforts. Ok, on appelle des renforts nous aussi. Alors vas-y, je t'occupe toi de la radio. D'accord, très bien, attendez. Et vous inquiétez pas. Oui, on a besoin de 15 000 renforts s'il vous plaît sur place. Voilà, toutes les unités disponibles. Dites bien que c'est McGallaghan qui va vous botter le cul. Le monsieur est armé très dangereux avec un masque de clown. Et il dit, rajoute qu'il est MP5. Bon du coup monsieur, je vous demanderai de faire attention la prochaine fois s'il vous plaît. Que bon, quand même c'est important les bouchées d'incendie, d'accord? Ça va Jameson? Effectivement. Bien sûr. Ça va Jameson? Et surtout que... Prends en photo s'il te plaît cette voiture de police qui n'a rien à faire exactement ici. Ouais, j'ai failli rentrer tout à l'heure en plus dedans. Ce serait vraiment dommage. Prends donc en photo s'il te plaît. Je vous présente mon frère qui est directeur. Y a pas de souci. Par contre, allez, bonne journée monsieur. Bonne journée mon doyen. Au revoir monsieur. Allez, passez une bonne journée. Bonjour Mélom. Vous allez bien? Très bien vous-même. Eh ben ça va très bien. Passez une bonne journée. Ah, attendez. Oui. Le service police me doit 200$, on fait comment? Je vous ai déjà donné tout à l'heure, c'est moi, non, ça veut personne. Je les ai pas eu, putain, bordel. Vous êtes sûr? Mais c'est les trois Gugus là. Attendez, vous êtes le commandant là? Affirme. Oh putain, mais comment je suis censé vous reconnaître juste avec la voix? Vous voyez les trois Gugus qui sont partis là du sud là? Ouais. Bah, ils sont partis en rigolant et en se foutant de ma gueule parce que ils m'ont pas donné les 200$, ces petits bâtards. Ouais, c'est vrai. Et quand je suis arrivé, ils sont vite partis la queue entre les jambes. Ouais, et bizarrement, je trouve que c'est des rigolos hein, pour le service police. Hein. Madame Sandy, vous pouvez faire un 10-19 s'il vous plaît? Très bien, je m'en occupe. Vous êtes sûr pour l'argent? Ah bah, fais confiance. Normalement, oui. Écoutez, au pire, c'est 200$, hein, mais ça peut être. Ah, mais non, mais 200$, c'est 200$. Bah, c'est une belle bécane, ça. Hein. C'est une très belle bécane, par contre. Ah, non, je vous ai percuté. Merci, monsieur. Involontairement, c'est normal que. Là, je les ai bien reçus. Là, on peut discuter. Très bien. Bon, on va passer une bonne journée, en tout cas. Très bien, vous deux. Je vais devoir aller au garagiste maintenant. Merci. Au revoir. Ça va, mon petit Jameson? Bah, oui, toi, je suis passé tout à l'heure, c'était un sacré bordel, là. Je te le fais pas dire, mon petit Jameson. T'as pris en photo, là? Ouais, j'ai pris en photo au cas où. Les trois, va falloir se méfier, par contre. Ils sont pas. T'as les numéros? T'as les numéros? Ah, c'est des gars du sud là, je sais plus comment ils s'appellent. Ah, avec leur accent de mort là? Ouais, bonne mère, un peu chien, pas staga là? Les calingues, Ok. Donc, Eh bah tiens, justement, tu demanderas des numéros au commandant. Ouais, il va falloir sûr. Les avoir à l'œil, ils ont l'air de faire les rigolos en ville. Je vais me renseigner. Par contre, attention, hein, j'ai percuté une bouche incendie, ils sont dans trois voitures. Hein. Ça m'a percuté, en fait, j'ai pris ma race. Je t'ai vu passer quand j'ai dit pour la limousine rose là, tu vois? Ouais, bien sûr. Je t'ai vu passer, et puis après, j'ai tourné à droite là, et je t'ai vu, j'ai cru que t'avais tué quelqu'un, moi, avec le nombre de flics qu'il y avait. Non, c'était une bouche incendie. Bon, allez, mon petit Jameson, je te dis à très vite. Ah ouais, putain, ils t'ont bien saccagé, hein. Ouais putain, je vais me renseigner sur les flics, je te tiens au jeu. Vas-y, ouais messieurs, je viens de me faire arrêter par les flics, il y a des flics, ils sont trois, ils viennent du sud de je sais pas où, la France je crois. Et j'ai entendu parler de Marseille, c'est des gugus, hein. Faites attention à eux. Ah je le connais, ouais, 13. Mon numéro 13 de là. D'accord, bah c'est des sacrés gugus ceux-là. Mais numéro 13, ça, ses fonctions, ça va pas durer longtemps je pense. Ah, il a plusieurs fois fait des conneries. Ouais, il a plusieurs fois fait des conneries. Et n'hésitez pas à aller vous plaindre auprès du commandant, ça va le calmer encore. Ok, alors le Silver il est où là? Là, mais muet maintenant, donc c'est un peu plus chiant. Hop,
Putain, ça va ou quoi? Comment ça, t'es muet? Bah, je suis muet, on m'entend plus parler. Mais j'ai une information par rapport à hier, vous avez pas été là très présent. Les balèzes vous cherchent... Oui, non, non, c'est vous. Ils vous cherchent, boss, et comment il s'appelle, Saphir. Les balèzes? Ouais, et... en fait, il y a eu une intervention de la LSPD au niveau des Bloods. Et les balèzes étaient dans le secteur pour essayer de les soulever aussi. Et les balas, ils m'ont posé plein de questions. Il y avait... comment il s'appelle putain, avec tous les nouveaux noms, je suis perdu. C'est pas Soufre. Avec Ombre. Avec Ombre, ils ont discuté énormément des Saphirs et de Boss. Ok, dit... t'as leur numéro ou comment on fait pour les joindre? Je crois qu'il y a... il a un numéro d'un de vous deux, j'y suis plus sûr. Ok, et ben on verra bien. Et il y a aussi énormément de personnes qui essayent de vouloir rejoindre les taxis aussi. On recrute plus pour l'instant. On est d'accord que pour l'instant tout roule? Oui. Ouais, ça roule. Ok. Bon, je vais devoir aller chez... Et il y a aussi une espèce de comité qui se montre contre le shérif Bellamy. Oh putain, il y a d'ailleurs la campagne de Mike Powell qui commence, il fait un discours à 22h dans le nord. Ah d'accord. Eh ben on ira, messieurs. Eh ben allez. Bellamy, il est dans la sauce par rapport à sa nouvelle candidature, il part d'une affaire qui est toujours en cours, donc il n'a pas le droit. Et apparemment, les commandants du RSPD, il est déjà sur le coup. Ah ouais ? Et il y a plein de personnes, notamment Ashley et John O'Dwyer, qui souhaiteraient s'occuper de son cas, légèrement. Ça va aller? J'ai pris un feu rouge! Je comprends bien, c'est le même effet, ça me fait pareil. Tu disais quoi, souffle? Je disais, John O'Dwyer et Ashley Gresson, ils en ont marre de ces trous de balles et ils voudraient les dégager. Ouais, comme tout le monde, hein, je crois qu'il est pas aimé par beaucoup de personnes. Donc ça serait bien de lui faire un joli coup de pute à celui-là. Allez, voilà, messieurs. Allez, passez une bonne journée. Ok, je vais chez le mécanicien, la police m'a foncé dessus. Et je reprends un peu le boulot et je me prépare s'il y a quelque chose ce soir. Ouais, ça va. Ok. D'ailleurs, on a des nouvelles du petit nouveau? Non, pas de nouvelles, je sais même pas s'il est sorti de l'hôpital encore. Ok. Ouais, radio, j'ai une absence mentale et mon véhicule a disparu, c'est fort embêtant. Vous savez comment je peux faire pour le récupérer? Allez voir les Bénises. Ou la LSPD. Ok, mais le Bénis peut gérer ça. Ouais, normalement, théoriquement, il peut, ouais. Très bien, merci, monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va bien, et vous? Ça va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez besoin de... D'un mécanicien, oui? Oui. Vous êtes mécanicien? Oui. Avec un parachute et un pistolet? Oui. D'accord, sacré mécano, ça a bien changé. Ah bah c'est pour éviter de se faire tabasser, monsieur. Ah, vous faites tabasser souvent, ici? Ça arrive. Ok. Dites voir, j'ai un petit souci, j'ai eu un problème mental en face du concessionnaire sur une route très dangereuse. Mm-hmm. Voilà, et mon véhicule... Pouf! Pouf alors. Vous avez sa plaque du véhicule? Ah putain de merde. Chat au bon moment. Attendez. Parce que sans plaque, on peut pas. Ah putain. Et vous pouvez changer les plaques d'ailleurs à l'avenir pour. Les chiffres? Allô. Non, on peut pas. Ça va, moi? Regarde-toi. Ouais, tu peux aller au service taxi d'urgence, s'il te plaît, me dire ma plaque? Bah, j'y allais là. Et ben voilà. Bah, tu peux me dire ma plaque? Attends, ta plaque, bah, je vais te dire ici ta plaque. Alors, attends. Bougez pas, monsieur, ça. Il arrive. Hein. T'entends bien là? Ouais, j'entends bien. Ok, alors, attends bien. LCI 155. FCI 155, monsieur. LCI 155. LCI, désolé, il a des problèmes d'élocution. LCI... Ouais, j'avais compris. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Très bien, merci, moi. C'est bon, votre véhicule est bien en fourrière. Super. Vous pouvez m'y retenir ou c'est chaud? Bon, on peut y aller, oui. Je peux... attendez... Il y a bien un des deux cons qui va y aller. Il n'y a pas de stream. Auto? Bonjour. Est-ce qu'un des deux cons est là, s'il vous plaît? Ouais, pas besoin. Vous l'emmenez à la fourrière, s'il vous plaît. Vous l'emmenez à la fourrière, monsieur? Ouais, bien sûr, venez. Celui qui l'emmène à la fourrière, il touchera 200 balles. Bah attendez, j'ai pas dit que je donnerais 200 balles. Non, mais moi? Mais vous êtes généreux, putain. Ça va, il faut travailler bien. Ici. Bonjour, vous allez bien, monsieur le super-héros? Mais... vous êtes qui? Bonjour. Non, en fait, c'était une démonstration pour une élection. Oh putain, vous allez faire un discours plus tard? C'est un nouveau shérif? Non. Ah d'accord, très bien. Bon, bah allez, je pense pas. Journée. Merci à vous aussi, hein. Allez-y, montez. Moi, je peux pas. Ah, attendez, je pense un petit peu. La sécurité enfant? Oui, ça doit être ça. Alors attendez. Je peux voilà. Ouais, bon. Ouais, je comprends bien. Sécurité enfant, ça a toujours été un calvaire. C'est ça. Et ben voilà, y'a rien à la fourrière. Nickel. C'est génial ça. Ah, faut peut-être que je sois en tenue, c'est un véhicule d'entreprise. Les véhicules d'entreprise, il me semble qu'ils repartent directement à votre garage, non? Oh putain, vous pouvez m'emmener au service taxi ou c'est chaud? Ah, je peux faire ça. Ah, vous êtes vraiment adorable par contre, hein. Voilà, oh, impec. Allez, passez bonne journée, monsieur. Bonne soirée. Ah, bonjour, ma petite Sophie. Oh non, charter sorti. Ça va, Jason? Ouais, ça va et toi? J'ai un petit problème là. Ouais. Ah, Léa, elle veut pas me rendre ma shafter. J'ai fait le tour de la ville deux fois et...
Je crois que ça te fait pareil que moi pour mon 4x4. Tu sais, mon 4x4 que j'ai retourné à cause d'Adoda. Ah, peut-être, ouais, t'as fait quoi? Ben, ils l'ont mis en fourrière, tu vois, les garagistes. Ouais, sauf qu'il y était pas. Il est pas en fourrière, et quand je vais au garage, j'ai mis qu'il est sorti le véhicule. Ouais, et donc? Comme là. Et donc, moi, j'ai pas de suivi pour l'instant. Et ben, moi, j'ai plus de taxi. Hein, tu veux qu'on fasse une petite tournée ensemble ou pas? Ouais, si tu veux. Tu vas la trouver, ta voiture? Attends, parce que ma voiture, elle est aussi sortie. Ça va être un peu embêtant tout ça, non? Bah, tu sais quoi? Hop, le burn il est pas là. Oh mon dieu, la dégueulasse! Oh, je roule pas là-dedans. Oh putain! Ah, je roule pas là-dedans. Merde! Eh, hey, il méritait qu'on lui coupe des doigts, ce bâtard! Oh oui. Y'a rien qui va. Bon, ouais. Attends, mais il a mis un petit autocollant, c'est pas possible! Il a mis un petit autocollant taxi! Où ça? Ah non, c'est bon, non, c'est sur le capot, hein. C'est qu'il a pas réussi à l'enlever. Ah, allez, vas-y. C'est parti, attends, j'ai reçu un message de Rosso. Tu veux qu'on aille le chercher en même temps? Tu veux le voir? Ouais. Ouais, mais attends, s'il est sur la route de l'enfer, ça va être compliqué. Hein. Il me dit qu'il a toujours des problèmes et qu'il va aller se pendre. Tu veux qu'on lui achète une corde ou pas? Bon, ouais, j'en ai dans le coffre. Allez, vas-y, on fait une petite tournée. Bon, alors, quoi de beau, la société, ça va, ça tourne, le coffre il monte? Ouais, il est bien monté là. C'est vrai? Bon, ouais, c'est bien. On est passé de 21 000 à 34 000. Oh, c'est très bien ça. Messieurs, petit message pour les taxis. Merci d'avoir repris du travail, le coffre il monte enfin. On va pouvoir commencer à faire des choses un peu plus sérieuses bientôt. Radio pour le radio taxi, on est à combien là? On est passé de 21 000 à combien? 34 000. 34 000. Donc merci, les efforts ne seront pas vains, messieurs. Voilà, c'est quoi le prochain gros achat là? Arme lourde? Excusez-moi, nous, madame, hein. Vous faites comme si on n'était pas là. Oui, bien sûr. J'oublie tout le temps qu'il y a un client. Oui, bien sûr, mais t'inquiète pas, de toute façon, ça sera commandé pour la partie d'Airsoft. Ah oui, bien sûr, bien sûr. T'as acheté le gun pour Manu? Bien sûr. D'accord. Attends, ils sont partis faire quoi déjà, Emmanuel? Du concombre. Du concombre? Oui, pour la soirée paella. Ouais, j'entends. Bien, madame, vous y connaissez bien en paella? Vous nous conseillez un fabricant de paella ou... GustavoRichelli.com? Je connais pas. Oh putain, c'est quoi ce site de mort? Ils font des paella? Ouais, de saphir. Si jamais il disparaît, c'est parce qu'il y a des gros éclairs de foudre dans ma tête. C'était très bien. Bonne soirée. Et tu réapparaîtrais ou? Ouais, je sais pas trop. Mais comment ça, t'es où là? Dans l'ouest. Comment j'ai les mêmes, hein. C'est la tempête. Bah pourtant, il y a pas de tempête. T'es sûr que t'es dans le pays? Ah oui, oui, oui. T'es sûr que t'es pas retourné au Mexique? T'as passé la frontière sans faire exprès? Ah non, non, mais c'est qu'en fait, il y a un bout dans ma tête, il est dans un pays qui est la France, et il y a une tempête. Ah, d'accord. Très bien. Oui. Oui, d'accord. J'entends bien, j'entends bien. Eh oui, oui. Et ça pète bien, ça pète bien ou pas, là? Ah, c'est une vraie discothèque. Ah, putain. Au revoir, madame. Elle aurait pu dire au revoir. Bah, je vais dire au revoir. Ouais, mais elle a pété, gros, je crois. En sortant du taxi. Bah, j'ouvre la fenêtre. Elle était déjà ouverte. Et t'en as perdu tes cheveux, je crois, bon. Ici Radio, on est d'accord qu'on se rejoint tous au discours du potentiel nouveau shérif? Ouais, 22h. Ok, très bien, messieurs. Bonsoir. Allez-y, montez. Je peux monter devant à la série, s'il vous plaît. À la série, c'est parti. Vous allez bien? Ouais, on va dire ça comme ça. Oh, bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été kidnappé, donc ouais. Ah bon? Ça va mieux. Eh ben, c'est... tu vois, je t'avais dit, moi, c'est de moins en moins sûr, la ville. Ouais, c'est... Okay. Ça va fort, vous avez été kidnappé où, sans indiscrétion, monsieur? À mon travail. Ah oui, il vient vous chercher carrément à domicile, maintenant, putain. Et service, service c'est... assez efficace. C'est mieux que Uber Eats. Ah bah... C'est gratuit, en plus. Ah oui, ah bah ça, c'est clair. Et voilà. C'est vrai, monsieur, vous avez pas... Oui, non, c'est vrai. Ils m'ont pas frappé, rien, mais bon, ouais, ils m'ont foutu drôle, un flingue sur la tempe quand même, quoi, donc ouais, c'est pas c'est génial. Sûr. Bon, faites attention à vous en tout cas, monsieur, c'est qui ça? Oui, 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 bon, ça doit être mon employé qui quitte son travail. Ouais, j'ai eu peur que c'était un criminel, j'allais le renverser. Voilà, c'est payé, c'est réglé. Merci, hop. Merci d'avoir appelé le service taxi, monsieur. Bah, y'a pas de souci, merci soir. À vous, bon courage, monsieur, au revoir. Merci, au revoir. C'est bientôt l'heure du discours, on va ranger le taxi, on y va ou on va sans taxi, là? Oh, on peut rester en taxi, ni vu ni connu. Vas-y, hop, des tours, on y va. De toute façon, t'as fait pas mal de clients et tout, c'est bon. C'est quoi le discours? Bah, je sais pas. Comment veux-tu que je sache? Ah, y a voiture de Jameson à gauche, là-bas. C'est dans la zone, c'est ça? Je crois que c'est à gauche, là, justement. C'est bizarre, ça, non? Ah, mais la voiture de Jameson, regarde. Eh ben, on va voir, il est où ce discours? Y a pas de scène, y a rien. C'est bizarre, un peu, ici, non? Je sais pas. C'est pas un guet-apens, hein. Ah, t'as mangé mexicain? Non, mais je pense que Jameson l'a fait lui. Ah oui, ouais, comme d'habitude, c'est son petit péché mignon, hein. Oui. On peut pas s'en empêcher. Ça va, Jameson? Salut les gars. Ouais, t'aurais pu vite manger mexicain. Vous pouvez me confirmer là que... Attendez, venez avec moi. T'entends une voix ici? Une voix un peu comme ça de quelqu'un qui t'entend. Oui, c'est Rosso. Ouais, il casse les couilles, hein. Ouais, sa moto. Sa vie, elle est pourrie. Ouais, ouais, je te jure. Bon, du coup, je suis allé voir le shérif, là. Ouais. Parce que j'ai fait du repérage. Parce que, tu sais, on peut se mettre sur la montagne, là. On peut se mettre sur le bâtiment. On peut se mettre derrière, dans les tuyaux. Ouais. Et du coup, Mehmet Event a pas demandé de protection. Et comme tu peux le voir derrière toi,
quoi. Le shérif en a décidé autrement. Apparemment, ça risque de chauffer. Il y a dû avoir des menaces ou je ne sais quoi. Ah ouais. Ouais, donc faites gaffe à vous, les gars. Hein. D'accord. Parce que je pense pas qu'ils se déplacent pour rien, les mecs. On va rester près des voitures. Oui, voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Bah oui, on vient pour le discours, écoutez. Ça, c'est du beau joujou, ça. D'accord. Tiens, on sort. Putain, t'as changé de gueule, on sort. Dis-moi, messieurs, pour la sécurité des gens, voilà, je pense que tout va passer. Pardon, j'ai pas entendu, monsieur. Bah, pour la sécurité des gens. Je rappelle que je suis au du travail, hein. Deux hommes vont suffire, vous êtes sûr? Ah, vous inquiétez pas, si tout le monde se tient bien, il y aura pas d'incident. Mais bon, vous savez qu'on peut pas maîtriser tout le monde, hein. Bonsoir, messieurs. Merci d'être venu. Bonsoir monsieur, c'est vous qui allez vous faire le discours? C'est ça monsieur. Très bien. Bon bah écoutez, on va vous laisser discuter, hein, on va se faire l'écart. Ça se passe à peu près où le discours? Sur la scène, je suppose, non? Sur la scène, voilà, là-bas, je pense. Voilà, sur la chaîne. D'accord. Merci de vous être déplacé, c'est fort aimable, monsieur. Ah bah y'a pas de problème. Bah on est dans le coin. Ah bah moi c'est mon boulot, hein. Ah oui, je vous présente. C'est le but, hein, c'est le but. Journaliste. Enchanté, monsieur. Enchanté, directeur de Star News. Oh là, oh là! Oh putain, il a foncé. Johnson. De quoi? Il a niqué une voiture, je vais l'enculer. Johnson, il est passé sur le taxi. Allez, j'en sais rien. Bonsoir, monsieur Powell. Sortez la voiture pour voir le truc. Sortez la voiture pour voir. 30 secondes. Là, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais. Donc du coup, monsieur, va falloir faire une micro-sieste parce que ça va pas du tout, là. Ok. Il était juste très bien caché. Il est où? Là, oh, en face. Putain, oui, j'avoue. On va le mettre ailleurs. Oh putain, il m'a plié ma camionnette, ce con, putain. Eh ouais, bah engueule-le, tiens. Parce qu'il a 2-25, deux unités sur place, armées de MK2, je veux personne d'autre. Les autres, vous gravitez à proximité, vous faites vos patrouilles habituelles. Si jamais il y a un problème, vous serez appelé. Ok. Les bottes de foin comme sécurité, c'est pas ouf. Je suis pas sûr que les bottes de foin avec le terrorisme. Tiens, regarde qui voilà. Et elle s'habille toujours sexy, hein. C'est oh, ta oui. cause. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de lumière? Ça va, ma petite violette? Ah, monsieur McGagan, comment ça va? Salut. Ça va très, vous êtes méga bonne ce soir, hein. C'est carton, parce que... Toujours à moitié à poil. Fresh. Bah, ça va, je suis habillé quand même. Ah, vite fait, hein. Attends, là, vous êtes au max. Bah, on va s'écarter, monsieur, là. Faut pas trop s'habiller non plus, quand même. Oh, putain. Bon, allez, bonne chance à vous, en tout cas, pour l'event, pour la personne. Oui, bah, de toute façon, on a plus trop à faire. Nous, on est juste là... Comme, on a filé la fiche. Par contre, pour votre sécurité, vous êtes sûr que juste deux hommes avec des fusils, ah bah. Ça va aller. Et ça, non, c'est pas notre sort. Écoutez, j'aurais dit, il devrait rien se passer. Normalement, il devrait rien se passer. Hein. Ils sont quand même là. Hein. De toute façon, ils aiment bien les fusils d'assaut. Tout ça, c'est un peu leur dada. Bon, bah, on verra. On ils ont toujours ça dans le cul. Passer, hein. Effectivement, ouais. Non, il va payer. Hein. Les shérifs, ils ont tout vu pour faire cracher. Hein. Hey, tiens, remboursement avec assurance. Je sais pas, les flics. Ah, attends, bah, je crois qu'ils sont partis voir. Attends, je vais voir. Il y a plus de gens de la sécurité que de citoyens. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, j'ai une très bonne info de Rosso là. Il vient d'écouter John et Ashley. John, il a plus de 5000 sur lui. Mais non. Si. Tu veux tenter un truc? Ouais. Viens, 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 attends, s'écarte. Ok, je suis. On pourra pas trop, mais. Ouais. On peut pas aller plus loin. Ok, préviens tout le monde à la radio. Préviens tout le monde à la radio et ceux qui veulent tenter, qui se mettent en tenue, il y a un peu sur le côté. En plus, c'est l'heure de la fois que tu m'as donné. Quasiment certain. Ok. Je reviens plus tard. Je vais m'installer devant pour éviter les soupçons. Ok. Mais après, il a pas de sac. C'est pas grave ça. Saphir souffre. Ouais. Répète. Enfin, Silver m'a donné l'info comme quoi John, à l'événement, avait plus de 100 000 sur lui. Est-ce qu'un petit braquage vous tenterait? Ah ouais. Certains d'entre vous se mettront en tenue, vous les suivrez un peu de loin, vous les chopez, et voilà. Le problème, c'est là, j'ai été vu au niveau de la campagne de Powell. Oui, le taxi, vous savez. Ah oui, d'accord, mais c'est pas pour intervenir maintenant. Non, après, bah oui, on va pas, y a de BCSO avec des G36. Ok, très bien. De monsieur O'Dwyer? Attendez, venez, s'il vous plaît. Oui, il a 5 000 $. Vous voulez que je bouge de place? Ok, bah il faut l'identifier. Non, négatif, c'est juste la personne. C'est simple, il suffit de rapide GT rouge. De demander à un dépanneur parce qu'on voit les vitres cassées. Très bien. Ah bon? Disons que oui, quand le monsieur il a heurté le camion du Story News, votre taxi l'a pris cher aussi. Oh putain! Et vous savez qui c'est cette personne? Bah c'est le propriétaire du véhicule qui est juste à côté de l'autre. Ouais, bah il remboursera, hein. Justement, c'est ça qu'on cherchait le conducteur. Donc pour, dès qu'il arrive, vous nous dites et on sera avec vous s'il refuse de faire un constat. Très bien. Et bah écoutez, merci beaucoup messieurs de m'avoir tenu au courant en tout cas. Pas de soucis. Y'a pas de soucis. À très vite messieurs. Je serai dans le coin. Pas de soucis. Putain les casse-couilles quoi, au moment où à la radio... Ça va Manu? Ouais, ça va et vous patron? Ouais, ça va. Bonjour monsieur. Ran, c'est ça? Négatif, monsieur, je suis arrivé, Bellamy. Oh putain! Vous allez bien, monsieur Bellamy? Ça va et vous, monsieur McGallaghan? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous allez faire un petit discours ou pas? Ah non, c'est le meeting de campagne de monsieur Powell, si moi je viens en simple spectateur. Ah ouais, je comprends, pour surveiller la concurrence. Et il répond pas à tout, hein, ça fait. Moi aussi, il m'a mis deux petits vents.
C'est bien ça, monsieur Balkany, c'est ça? Je réponds quand j'ai quelque chose à répondre. D'accord. Vous avez rien à répondre, monsieur Balkany? C'est le Bellamy, monsieur Bellamy. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, elles sont bien, vos chaussures, dis donc, c'est les nouvelles sommes? À ce moment, j'ai celles-là, donc elles sont pas spécialement nouvelles. Ouais, on a l'air de le faire chier, hein. Ouais, on dirait qu'on l'embête un peu. Écoutez, monsieur Balkany, on peut pas vous embêter, hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur McGouache, pardon? McGouache? C'est qui McGouache? Tu connais un McGouache, toi? Non, je connais MacGyver, mais McGouache. Ah, ou MacGyver, vous êtes monsieur MacGyver, c'est ça? Ah non, ça c'est mon frère MacGyver. Ah, d'accord, je suis fan, hein, vous le direz, hein, je suis vraiment fan. Bah d'ailleurs, avec une aiguille et un fil, il a posé une bombe dans votre comico. Mais bon. Ah, bah mais ça m'étonne pas, hein, c'est MacGyver, il est rondelé. Ah, bah oui, hein, il est bon, hein. Ouais. Oui, faites gaffe, ça c'est pas une botte de foin, c'est un ordinateur portable. Ah, ok, d'accord, bon bah je m'éloigne peut-être un petit peu, on sait jamais. Ça serait bien, monsieur. Tiens, messieurs, venez voir un peu. Venez voir là-bas si j'y suis.